Un avion, suspendu. Dans une cascade. Okay. Retenu par un tronc d'arbre. Mais c'est logique. Un avion suspendu du haut de ta cascade. Ma main sur ton pied. Tu peux y arriver, ma grande. Il saute. X. A. Allez, allez. Jeu de plateforme. Vous connaissez. Hein. Un jeu de plateforme, pas vraiment en fait, j'ai de la merde. Mais si, une plateforme sans s'accrocher quoi. On connaît, hein, c'est la marque de fabrique de Tomb Raider. Elle arrête pas de se croûter d'empêche toutes les deux secondes, c'est une femme. Ça passe sur ses jambes. Et quoi ma grosse? Oula, il y a un peu le vide là. C'est un chouïa dangereux. Appuyez sur A en plein saut pour escalader une paroi lisse. C'est parti! Ouais, donc en gros, c'est un saut rebond. Le sac de Sam. Sac de Sam? Pas un nom de chien, Sam? Non? Je dis ça, je dis rien. Sam! Sam? Ils ont dû passer par là. Sammy? Non, c'est Sammy. Un caméscope. Un truc jaune. Un talkie-walkie. Ross, est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je la retrouve. Et apparemment, t'es alone, ma grande. Émetteur, récepteur, nouvel équipement acquis. On peut rien prendre, là? C'est con, il y avait des bouteilles d'eau. Peut-être qu'elle a soif, la peau. En même temps, elle manque pas d'eau avec toutes les cascades qu'il y a, mais... Mais ouais. Elle saute! Ah, tiens-toi! Ah non, elle tient pas. Elle se croûte encore une fois. Putain, ça faisait longtemps qu'elle s'était pas croûtée, n'empêche, je trouve. C'était louche. Et bien sûr, son talkie-walkie, il est intact, hein, normal. Hein. La meuf, elle vient de se péter le dos contre le truc, mais son talkie-walkie, il est intact. Ouais, genre, t'as ton iPhone dans la poche et il est complètement défoncé, mais non, elle a rien. Oh, des corbeaux. Ok, ce corbeau, il est monté. Mais ce corbeau, il est rentré dans le mur ou c'est moi? Y a pas de trou dans le mur. Ah si. Ah, était-ce fait exprès de la part des développeurs? Ou est-ce un putain de fucking bug graphique? Ça a l'air abandonné. Elle a l'air abandonnée. Ah, elle boit. Enfin non, elle boit rien, elle boit du vide, vous avez vu? Ah, ça se rend compte que c'était mal fait, ça. J'ai envie de dire, what the fuck? La meuf, elle boit de l'air. Ah, chacun son truc, hein. Il y avait des bouteilles d'eau il y a deux secondes dans les malles, on pouvait pas les prendre et maintenant elle boit une cascade quoi. Fous de ma gueule ce jeu. Putain, elle tremble. Oh, Parkinson. Oh. Par contre, dans tous les jeux vidéo, les mecs n'arrivent pas à reproduire les cheveux quoi. Je conçois que ça peut être super dur. Je suis pas créateur de jeux vidéo, je vais pas critiquer. Mais franchement, il est magnifique ce jeu. Mais les cheveux, dans tous les... Le pire c'est dans Skyrim, ils sont trop laids les cheveux. Mais là aussi, ses cheveux sont pas mal de loin, mais quand on regarde plus près, ça te pique un peu les yeux. Allez, t'as une allumette. Koh-Lanta, mais. Allez, Koh-Lanta, Koh-Lanta, Koh-Lanta. Putain, mais va à Koh-Lanta, ma grande, tu n'écras tout le monde. L'autre, elle t'a fait un feu de camp en 3 secondes avec une allumette. Tu te fous de ma gueule. C'est abusé, ce machin. En 3 secondes, le truc s'est embrasé. Ça se trouve, c'est tout à fait possible et je dis de la merde, hein, mais. Ah, il y a des fréquences qu'elle reçoit. Par contre, il est un peu mal fait le talkie-walkie. Hein. Il est un peu pixelisé, je trouve. On est à peu près à 20 minutes de vidéo. Je vais faire une session de 30 minutes, là, donc deux épisodes. Et puis, j'en ferai une autre session de 30 minutes vendredi ou samedi. Dans le caméscope. Elle a regardé le caméscope. Ah, et voici la future ah, y a quelque chose dedans. Mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Ah, mais Sam, c'est la Shnao. J'essaie juste de détendre un peu la... Mais oui. Tout le monde est... Je suis con.
Dans les autres Tomb Raider, dans Tomb Raider Underworld, qui est sur Xbox, exact, et sur Xbox 360. Et... Lara, ah, j'ai plus parlé, putain, prends-toi des The Kid. Sur Xbox 360, tout comme celui-là, je l'ai, que je n'ai jamais fini d'ailleurs. Mais je crois qu'à un moment où il y a une Sam, une Schnau Sam qui vient t'aider. C'est elle alors. Tout s'explique, c'est pas un chien. Voilà, je m'étais trompé, ce n'est pas un chien. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Non, pas du tout un chien, non. Plus belle qu'un chien. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. N'empêche, les sous-titres, ils sont trop laids, hein. Je peux pas dire, mais avec un carré noir comme ça, ça fait trop sous-titres de vieille télé. Il fallait taper 888, je crois, pour mettre les sous-titres. C'est trop laid. Ils auraient pu faire mieux quand même, les sous-titres. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. T'as dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé. Ils veulent trouver la reine de je sais pas quoi, apparemment. Ça vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Oui, c'est Lara qui lui a l'impression. Je ne peux pas aller sur le terrain sans caméra derrière vous. J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire. Oui, c'est Lara vraiment, c'est encore. Occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Ouais, bah lui, il a plus de mérite à conduire un bateau que toi avec tes diplômes, enfoiré. Je l'aime pas, ce mec-là. C'est Lara. Lara, ma petite caille. Lui aussi, c'est Lara. Ma petite caille. Mon petit sucre. Le triangle des Bermudes pour Disneyland. Pour moi. Certains récits racontent que il est rassurant le mec là-bas. Apparemment, il voulait être dans le triangle des Bermudes. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle. Oh putain! Oh putain, lui, la nouvelle génération d'ordinateurs portables. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Triangle du dragon. L'air sympa le mec là. Plus sympa que l'archéologue avec les lunettes là qui a l'air un peu. Peut-être plus haut de son cul quoi. Ah mais d'accord. D'accord, donc en gros c'est tout ça, c'est la faute de Lara quoi. Juste de sa faute. Elle voulait aller dans le triangle et maintenant elle est paumée comme ça. Bah prends-toi qu'à toi, ma belle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas rester là, rien faire. Seul face à la nature, chercher de la nourriture. Oh putain, ils font des rimes maintenant. Oh, un papillon. Oh, c'est Bambi. Et des corbeaux. C'était Bambi. Ah ben non, la décorne. C'est la merde, Bambi. On va attraper la merde, Bambi. Oh mon dieu. Oh, un monsieur. Il la ramasse, lui, pauvre. Regardez, il a une sorte de tatouage sur le bide. Trouver une arme pour chasser le cerf. Tu peux rentrer là-dedans? Non. Ah! Des flèches. Plus 5. Et saute! Oui! Ah! Je crois savoir. Allez, 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 allez! Non, non, non! Me fait flipper, cette conne. Oui, tu peux y arriver. Je dois faire quoi là? Je dois sauter? Ah non. Et encore une fois, elle s'est croûtée. Non mais elle va se croûter toutes les 3 minutes dans ce truc, c'est pas possible. Et elle est jolie. Arc improvisé, nouvel équipement acquis. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils. 200. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Ah d'accord, c'est Halo Light le machin. Gâchette droite pour viser. Joystick, donc appuyez sur le joystick droit pour zoomer. Et j'imagine que la gâchette droite c'est tirer, mais je peux utiliser mes flèches. C'est Halo Light. Pour les gâchettes, ça peut être Call of Duty, mais pour au niveau du Jedi Halo, pas au niveau du zoom. Parce que le zoom c'est Halo Halo. Ouais, maintenant je fais quoi? Ah, des flèches encore. Les mecs, ils ont dit, allez, on pose trois flèches là. Il y a une répartition et qui tape des flèches. Et je dois faire quoi là en fait? Ah oui, c'est comme dans le trailer, je dois tuer. Oh, je dois tuer la merde, Bambi! Oh, attendez.
vient d'avoir la vérité là, les gens. C'est Lara Croft qui a tué la mère de Bambi en réalité. Mais qu'est... Oh, bah tiens, tu parles du loup. Enfin, de la biche. Mais arrête de fuir. Faut que je te tue. Enfin, pas chiante, elle, hein. Ah, des flèches. Mais c'est un monde totalement ouvert, je peux me barrer où je veux ou... Ah, il y a une petite cabane. Je peux y aller? Ouais, petite cabane. Plus inutile, tu meurs, je crois. Ah non, il y a des flèches cachées en haut. Oh, ça c'est Buenos. C'est Buenos Dias. Bon, elle est passée où, la mère Bambi, là? Oh, dans l'histoire, c'est Lara Croft qui te tue, hein. Donc faut suivre le cours d'histoire. Allez. J'ai vu ton cul là, il y a 2 secondes. Ninja. Oh, il y a le père, il y a toute la famille. Oh. Quoi? T'as encore envie? Je t'ai raté. Elle me fonce dessus, oh. J'aime ta joie, toi. Oh. 2 flèches. 2 flèches pour tuer Bambi. Eh non, je voulais ramasser les flèches, pas qu'il y ait une cinématique. Tu me fais chier, toi. Désolé. Désolé, tu tues la merde Bambi, tu t'excuses. Ouais, bon, j'ai fait un génocide sur toute ta famille, mais bon, je m'excuse, c'est pas grave. Quoi. Franchement, on t'en reconstruira une. Et elle va faire quoi avec sa flèche, là? Style, elle va le dépecer. Sexy. La référence sexy des jeux vidéo, qui est Lara Croft, en train de dépecer la mère Bambi. Ça, c'est un bon film hardcore, ça. 1 point de compétence trouvé, un feu de camp. Retour au camp. Seul face à la nature, retourner au camp avec la viande. Pour examiner, examiner au salentour. Tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où... Putain, mais qui lui parle? Elle entend des voix maintenant là. Ça va pas mieux, hein. Et tu sauras toujours retrouver ton... Ah, il y a une tôle en... des trucs en bois là, y'a rien là. Il y a plein d'indices d'habitation, mais y'a rien derrière en fait. C'est de la merde. Allez, remonte le truc qui me censait m'indiquer. Ah, ok, c'est là. On remonte à notre petit feu de camp. Ah, bah y'a nouveau. Y'a des flèches là, vous avez pas vu. Quoi? Plein? Ah merde! Y'a une limite? Une limite de 20 flèches? C'est con ça! Bah, j'imagine que peut-être avec les compétences on pourra améliorer la capacité de notre port de flèches, mais bon. Bah, je vais au bon endroit là. Ah oui. Voilà, nickel chrome. Je suis à l'abri. Feu de camp, compétences. Déposez vos points de compétences dans le menu compétences pour améliorer vos capacités. Heureusement qu'ils n'ont pas dit pour améliorer vos compétences, ça ferait un peu trop de mots compétences dans la même phrase. Instinct animal. La meilleure observation vous permet de respirer les animaux. Vous gagnez des récompenses supplémentaires. Fouillez les caisses et les cachettes pour trouver des matériaux supplémentaires. Les animaux pour récupérer les matériaux supplémentaires. Les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis. Ah, ça c'est bloqué. Bon, on va prendre ça, hein. Ça m'a l'air pas mal. Nouvelle compétence maîtrisée. Fouiller les cadavres des ennemis et des animaux tués avec l'arc pour récupérer les flèches. Voilà, pour ça on sera jamais en manque de flèches. Ah merde, il y avait un autre truc. Chasseur. En vous concentrant, vous disposez de plus de temps pour viser de manière précise avec votre arc. Ah, ça aurait été sympa ça aussi. Un bon usage de votre sac et de vos poches vous permettra de transmettre plus de munitions. Oh putain, non, j'aurais dû prendre ça. Quel triso. Bon, c'est pas grave. Ah, une réponse. Et on est bientôt sur la fin, les gens. Ross, tu es en vie? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait. Et puis, il y avait un cadavre. Oh. Il y avait un cadavre? Je sais pas si t'es compté, mais il n'y en avait pas qu'un. Il n'y en avait pas qu'un. T'en as rencontré un dans la grotte, un pendu par les pieds, et tous les crânes, hein, tu les oublies. Parce qu'avant, ça devait être des gens, j'imagine. J'imagine qu'ils les ont pas construits avec de la pâte à sel, hein, les crânes. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux... Ce bâtard. Tu te souviens de
Non. Tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Et sur cette magnifique déclaration d'amour, non pas du tout en fait, mais c'est pas grave, qu'on se quitte les gens, comment qu'on sauvegarde? Pas sauvegarder? Retour au menu. Bon, j'imagine qu'il y a des sauvegardes auto. Bon bah c'est sur cette magnifique vue de la forêt et d'une big montagne que demain j'escalade à main nue, j'écris, que je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Dazuki. Bye bye. Putain, n'empêche, elle est pas mal du tout cette petite Lara. Un peu trop de sang sur son corps, mais c'est pas grave. Et il y a le machin là. Non, c'est rien.